Since the 90s, a major ecological drama is taking place in Ivory Coast. Out of 231 classified forests that existed a few years ago, only one remains standing, the Kavali classified forest. It takes its name from the river that runs along it and borders Liberia, and is part of the cross-border project aiming to connect the forests of Tai, Gwebukwan, and Sapo in Liberia. 67,000 hectares of primary forest, still intact a few years ago, were invaded after the 2011 election crisis by armed gangs and thousands of illegal planters. Today, 40% of the forest is already destroyed. Since 2016, courageous local NGOs have been fighting to protect Cote d'Ivoire's last classified forest. In 2017, the Wild Chimpanzee Foundation launched its first awareness campaign to support conservation efforts and say loudly what people knew and were afraid to say. Denounced the presence of armed gangs and the corruption of some local authorities. The impact was very important. Les gens sont sortis en masse de la forêt. Tu as des chiffres, tu as une idée? Bon, aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'il y a 7000 personnes qui étaient sorties de la forêt. Suite à la tournée de sensibilisation. Suite à la tournée de sensibilisation. A year later, WCF and Alma Production return to the region with a new show as the Kavali Classified Forest continues to be degraded. The fight of local NGOs, Forest Development Authority and WCF paid off. The brigade commander was dismissed and most of the armed bandits have been arrested. Nous avons fini l'étape des bandes armées dans la forêt classée. La paix est revenue. Veuillez dénoncer ceux qui vendent les terres, les pensions dans les forêts classées. The new play denounces the new threats, like a despotic commander who took advantage of the situation. The aim of the play is also to reassure the population and encourage NGOs' actions. Mais ce que tu as envoyé là, c'est bon pour nos dossiers. Voilà.
ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui se sont inscrits sur ta liste là, on va aller ensemble à la gendarmerie. Voilà. Et puis une fois là-bas, chacun va dire ce qu'on lui fait. Mais cherche que des haut. Il paraît qu'il y a de nouveaux Burkinabés que les gens envoient dans la forêt classée là. Tu as appris ça? C'est vrai. Mais il y a beaucoup de Burkinabés à zéro. Ils ont parti. Mais il y a beaucoup de niveaux Burkinabés. Ils ont envoyé des cavaliers. On ne sait pas qui a envoyé les niveaux Burkinabés. Voilà le problème. Allô, monsieur Jules? Bon, oui, madame la procureure. Écoutez, je viens à l'instant de recevoir le lieutenant Vibo. Ah, mais super, je viens vers vous. Non, pas la peine de vous déplacer. Cette fois, je me rends sur les lieux. Ok. Vu son comportement, je crois qu'il est mouillé jusqu'au cou. Super. Monsieur Jules, j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de témoins. Ok. Sur le lieutenant Vibo, j'en fais une affaire personnelle. Quiconque s'attaque à la forêt du Cavalier s'attaque à la justice. À tout à l'heure. On se dit ici venir avec un pour qu'il a fait. Il a fait un sang dans le forêt des cavaliers. Ils ont donné le récit. Ils ont frappé. Il dit qu'il va payer là-dedans encore. C'est vrai, on m'a frappé dans mon champ là. Qui t'a frappé? C'est un monsieur là, il a porté même habit comme ça. Mais vous voyez de quoi je parle? Qui a signé? C'est un certain. Vlay Gaspard. Voilà. Gaspard. Avant, nos parents, ils ont gardé ça longtemps. Nous qui sommes derrière maintenant là, comme les gens en train de finir le forêt là, vraiment ça nous touche au cœur. On ne sait même pas comment on va faire. Cette pièce vient mettre en lumière, bien sûr, l'action particulière des populations. Parce que l'autorité, c'est vrai, ne peut être efficace que si les populations participent effectivement et en toute franchise. Avec elle, bien sûr, dans ce processus de libération de ces forêts. The play must also reveal the existence of new clandestine committees of forest sellers. Les gens, ils ont chassé les Burkinabés et puis les bandits de la forêt classée du Cavali. Oui. Et puis ils ont fait la pétition et ils sont partis. Forêt là est chez nous, les guerriers. Oui, ça est chez nous ici. C'est que c'est pour nous. C'est pour nous. Moi, du côté de San Pedro, j'envoie les Burkinabés. Ouais. Mado, comme elle a réagi, elle envoie les Burkinabés. Toi aussi, comme tu es ici, tu envoies les Burkinabés, ils payent l'argent avec nous, on met ensemble et puis on partage équitablement. Mais où tu nous vois là? On n'est pas seuls. Il y a un monde derrière nous. Donc, on est organisé. On a mis en place un comité. Le problème de la forêt classée du Cavali, c'est un problème politico-judiciaire. Donc tout ce qui est politique là, moi le député, je gère. Moi tout ce qui est justice là, je gère. Le procureur, le juge, l'avocat, ils sont dans mes poches. Moi non, je n'ai plus rien à dire. Ce que tu auras à faire ici, c'est de voir l'argent de ceux des fois on dit tu travailles bien ici, c'est pas qu'un bon travail. On l'appelle le stagiaire. Ah, mais je vais le voir. Forêt qui est là, c'est pour moi. Tu veux combien d'hectares? 5 hectares. 5 hectares. Ça vous fait 375 000. Donc prépare mon argent, viens faire ton reçu. Non, moi c'est l'argent. C'est le comité où? Tiens, donne-moi mon argent. T'as bien compté. Voilà ton reçu. Monsieur, vous reconnaissez cette signature? Ouais, ça c'est ma signature, c'est Vlay Gaspard. C'est le comité. Monsieur, vous venez de faire une vente illégale. Ah non, c'est pas possible. Un député ne peut pas faire de vente illégale. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. C'est vrai. Monsieur Jules, s'il vous plaît, monsieur Jules. Je voudrais profiter de vos micros pour lancer un appel à toute la population. Le lieutenant Gribaud a été démis de ses fonctions et les enquêtes sont en cours. Simplement parce que vous avez porté plainte et nous avons utilisé vos plaintes pour constituer un dossier solide pour envoyer au ministère des Eaux et Forêts. Eux aussi, à leur tour, ont réagi promptement avec la dernière de leur énergie. Vraiment, félicitations et chère population, n'ayez plus peur. Merci. Burkina Faso, le forêt classé, il n'y a rien, mais personne qui rentre. On ne peut même pas boire sec. Je pense avec votre indication, ça va interdire les Burkinabés et ça va nous obliger de les dire de sortir. Je demande à tout le monde de respecter les lois de ceux qui nous accueillent, y compris la loi de l'État. L'État, le gouvernement qui dit une chose est classée, c'est classé. Aujourd'hui, nous sommes à la 15e représentation d'une tournée de théâtre
qui a fait le tour de la forêt classée du Cavalli. On a pu sentir maintenant que la mobilisation est générale pour sauver cette forêt, pour ne plus accepter la corruption, la vente illégale de parcelles et appuyer la Saône-et-Loire dans sa mission. N'ayez pas peur, vous pouvez compter sur nous. Que si vous venez nous voir dans notre bureau pour nous donner l'information, vous serez toujours couverts. On ne va jamais dévoiler votre nom ni votre identité à quelqu'un. Et je voulais dire merci à la WCR, l'ISRD et à la production pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci.